Bonjour, donc nous allons voir en détail la correction de cet exercice. Donc la première question, on nous demande quelle est l'hypoténuse de ce triangle. Donc l'hypoténuse, il suffit de repérer où est situé l'angle droit qui est ici. Et on sait que l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc ici, ce sera le côté AC. Deuxième question, quel est le côté opposé à l'angle ACB? Donc on repère où est situé l'angle ACB, il est situé ici. Donc le côté opposé à l'angle ACB, c'est celui qui est situé en face de cet angle qui est ici. Donc le côté opposé à l'angle ACB, c'est le côté AB. Ensuite, on nous demande quel est le côté adjacent à l'angle ACB. Donc pour regarder le côté adjacent, l'angle ACB il est formé de deux côtés, le côté AC et le côté CB. Le côté AC ici, c'est déjà l'hypoténuse du triangle. Donc le côté adjacent, ce sera le côté CB. Question suivante, quel est le côté opposé à l'angle CAB? Donc là, il faut faire attention puisqu'on change d'angle. Donc le côté, l'angle CAB, il faut bien repérer où est-ce qu'il est, il est situé ici. Et donc le côté opposé est en face et ce sera le côté BC. Ensuite, on nous demande quel est le côté adjacent à l'angle CAB. Donc les côtés adjacents, le côté adjacent à l'angle CAB, l'angle CAB est formé du côté CA ici et du côté AB. CA, c'est toujours l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Donc le côté adjacent à cet angle, ce sera le côté AB.